Donc là, il y a 6 années de séminaire qui se terminent. C'est ce que je dis aux nouveaux séminaristes qui arrivent, aux tout jeunes séminaristes, bien qui prennent au sérieux ces temps de séminaire, puisque c'est un temps certain, qui peut paraître long au début, mais qui, en fin de compte, se révèle nécessaire, puisque sur les 4 formations sur lesquelles on est formé, donc intellectuelle, humaine, spirituelle et pastorale, sont nécessaires à la formation du futur. Je dirais qu'on reçoit les bases de beaucoup de choses avec lesquelles on va se servir pour le ministère du prêtre. Alors c'est vrai que c'est décapant, j'aime bien employer ce terme-là parce que c'est ce qui s'est produit pour moi, c'est-à-dire qu'on se fait tout un tas d'idées avant de rentrer au séminaire, tout le monde est beau et gentil au séminaire, ben, on reste des hommes. Et du coup, voilà, beaucoup de désillusions se font. Et du coup, on se forme les uns les autres aussi en se côtoyant quotidiennement. Et du coup, on grandit vraiment intérieurement avec les autres, avec les cours que l'on reçoit, avec les différentes méthodes de prière qu'on apprend. Et voilà, les uns les autres, on s'apprend à se connaître. On s'apprend à se connaître soi-même. Et toujours plus, on apprend à connaître le Christ qui se fait de plus en plus présent à nous, à condition, à une seule condition, qu'on se laisse travailler. Voilà. C'est-à-dire que le temps du séminaire, ça va être la condition, ça va être d'accepter ce que les autres vont nous renvoyer de nous-mêmes et d'accepter à ce que le Seigneur nous change et nous transforme. Il ne faut pas rentrer au séminaire en étant têtu, pour être simple. C'est vrai qu'il va falloir se laisser travailler intérieurement, se laisser transformer. Moi, à la base, j'étais quelqu'un de très timide, de très introverti. Et le séminaire m'a permis voilà, de vraiment m'ouvrir aux autres, de pouvoir parler plus facilement devant une assemblée, devant un public ou même dans un petit groupe de personnes. Et voilà, donc avec le contact de mes frères séminaristes, avec la formation que les différentes personnes nous donnent au séminaire, et puis le travail du Christ, le travail de la prière, donc ces 3 dimensions-là m'ont vraiment permis de m'ouvrir, de délier un peu ma parole, voilà, de pouvoir m'exprimer plus clairement, plus paisiblement, plus facilement devant une assemblée. Ça a été le gros travail du séminaire. Voilà.